Une musique qui déchaîne les passions, qui mobilise des foules de plusieurs milliers de personnes et des compagnies entières de CRS. La techno, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait peur et n'a pas très bonne presse. Mais lorsqu'une musique voit ses ventes exploser de plus de 200% en un an, que le phénomène envahit toute la planète, que des centaines de créateurs se revendiquent de cette culture, qu'un ancien ministre prend ouvertement la défense de la techno, il y a de quoi s'interroger. Eh bien, c'est ce que nous avons fait avec Nicolas Vinclair et Céline Remlinger. Ils ont été nos envoyés spéciaux dans les nuits de rêve, histoire d'en avoir le cœur net sur l'équation techno égale drogue et d'enquêter sur les réactions de la société avec un air de déjà vu. Histoire d'en avoir le cœur net sur l'équation techno égale drogue.